Retour du foot de club égale opportunité sur Unibet. 100 euros remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Lui, il est décédé, il est le président. C'est bien ça, c'est le meilleur président. Là, on va continuer à travailler ensemble pour changer les choses aussi. Les magouilles. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un point sur le début de la Ligue des Nations chez les favoris, dont l'acte 2 de l'équipe de France. La controverse autour de Mbappé en sélection après une rentrée difficile comme en club, sur fond de conflit dont l'un concerne l'attaque du Real Madrid. Les mots forts de Lamine Yamal dans les colonnes de France Football, avant de conclure par le feuilleton de l'élection du nouveau président de la LFP. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette. Je vous demande le même service que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le font. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La première trêve internationale de la saison prend fin sur quelques notes positives chez les favoris de la Ligue des Nations. Entre la deuxième victoire du Portugal, Ronaldo s'est encore montré décisif après le record des 900 buts en carrière, le réveil de l'Espagne en terre suisse, le champion d'Europe a fait oublier le faux pas de la première journée, le sans-faute de l'Angleterre à l'attrait historique, les hommes de Southgate ont gagné deux matchs sans encaisser le moindre but, en plus de fêter la 100e sélection d'Harry Kane, auteur d'un doublé devant la Finlande. Le choc Pays-Bas-Allemagne sans vainqueur, néerlandais comme allemands sont néanmoins armés moteurs grâce à leur entrée en matière victorieuse, et l'équipe de France à réaction. Les Bleus sont venus à bout de la Belgique pour recoller l'Italie, tombeur d'Israël. Les Diables Rouges replongent d'une autre part dans la crise. De Bruyne s'est même emporté à l'issue du match au point d'évoquer une possible retraite internationale, et la presse belge le supplie de poursuivre l'aventure. Le capitaine de la Belgique tape ensuite sur certains coéquipiers. La France est plus forte que nous, on restait assises derrière, même en deuxième mi-temps quand on était mené, il n'y avait pas de transition, mais c'est pas seulement la transition qui n'était pas bonne, mais aussi la façon dont nous avons joué. Certains joueurs n'ont pas effectué leur tâche, point à la ligne, ce qu'on doit améliorer, je peux pas vraiment dire ça devant votre micro, je disais tout ce que je pensais à Gang quand j'avais 18 ans, mais je le fais plus à 33 ans, j'ai dit mes vérités dans le vestiaire à la mi-temps, quand on n'est pas assez bon pour le top, il faut tout donner, et j'ai même pas vu ça, je peux accepter qu'on soit plus aussi bon qu'en 2018, je suis le premier à avoir dit ça, mais je peux pas tolérer la façon dont on a joué. En parallèle, l'équipe de France souffle un peu malgré un jeu toujours moyen. Les coups de gueule de Maignan et Mbappé vendredi dernier ont a priori joué leur rôle. Pour le rappel, le gardien des Bleus avait demandé plus d'envie, que les individualités soient au service du collectif, et la star tricolore a plutôt ciblé le staff par rapport au manque de travail tactique. Par contre, la situation du kick, c'est de plus en plus difficile sur le plan personnel. Deschamps a beau lui venir au secours sur place publique, mais le terrain aura le dernier mot quoi qu'il arrive. En dehors de l'équipe de France, Mbappé est sujet à controverse depuis quelques jours. Nasser Al-Khelaifi a abordé la nouvelle direction du PSG dans les colonnes de Marca et mettait le curseur sur la volonté de construire un collectif jusqu'à mettre à l'honneur le tandem Luis Campos-Luis Enrique. Fabrizio Romano indique d'ailleurs que l'entraîneur parisien pourrait prolonger sous peu au sein de la capitale française. Le dirigeant qatari taclait dans le même temps l'ancien numéro 7 de manière indirecte. Nous avons un tirage difficile en Ligue des Champions, mais nous aimons les grands matchs et ce sera un spectacle incroyable pour nos fans. La star du Paris Saint-Germain n'est pas un joueur en particulier, c'est notre équipe. C'est notre star. Et elle brille de mille feux. La déclaration tombe à pic vis-à-vis d'une autre affaire en cours. Aujourd'hui, les avocats du joueur et les hommes de main du président parisien avaient rendez-vous devant la commission juridique de la LFP dans le cadre des salaires impayés à hauteur de 55 millions d'euros. Le premier clan explique qu'aucun accord écrit n'est signé pour faire une croix sur le reste du contrat, alors que le second clan compte s'appuyer sur des propos de la star tricolore en début d'année. Je cite, « Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. » En parlant d'épisodes de conflit entre les deux parties, une autre bombe vient de tomber dans les colonnes de l'équipe. Le journal révèle qu'à la fin de l'été 2022, Mbappé a accepté une proposition de Liverpool face à l'orientation du projet parisien, au point de manquer la première journée de Ligue 1 pour faux motif de blessure. Les Reds auraient formulé une offre de 200 millions d'euros au PSG et un contrat court terme à l'attaquant pour lui permettre de rejoindre le Real Madrid dans la foulée. Antero Henrique aura néanmoins donné une réponse négative d'office. Finalement, Mbappé a attendu 2024 pour aller à la Maison Blanche libre de tout contrat, mais près d'un mois plus tard, les problèmes commencent au sein du vestiaire. Les supporters madrilènes ont d'abord remarqué que Rodrigo appréciait peu d'être mis à l'écart de l'attaque aux côtés du français Bellingham et Vinicius sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a vite confirmé les soupçons de guerre d'ego dans un entretien pour ESPN Brésil. Souvent, je ne fais que combler un vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu'un qui manque là-bas? Mettez Rodrigo. Est-ce qu'il manque quelqu'un à droite? Quelqu'un manque-t-il en tant que numéro 9? C'est tout. Ça peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe. En parallèle, les premières rumeurs apparaissent déjà autour du prochain mercato estival. La presse espagnole soufflait la semaine dernière que le Real Madrid réfléchit à vendre Vinicius à l'été 2025. Information à prendre avec des pincettes. Et les quotidiens madrilènes évoquent désormais d'autres noms, dont Haaland en passe de prolonger sous la condition d'une clause de départ, Alexander Arnold, Alfonso Davies ou encore Fabian Ruiz. Un journaliste de l'émission El Chiringuito rapporte que le club merengue envisage de faire du milieu de l'Aurora le successeur de Kroos au milieu de terrain.
Affaire à suivre. Du côté de Barcelone, Lamine Yamal est toujours au centre de l'attention. La révélation de l'Euro 2024 s'est d'ailleurs livrée chez France Football au lendemain de la liste des nommés pour le Ballon d'Or. Certaines paroles valaient le détour, à commencer par l'envie d'écrire l'histoire au Barça. Je veux marquer le foot de mon empreinte. Faire partie des 30 finalistes du Ballon d'Or et être à 17 ans l'un des principaux candidats au trophée Copa est un rêve. Je suis le plus jeune de l'histoire à y parvenir et ça me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records. J'ai vécu une année incroyable avec le Barça et ses nominations ne sont que le début. Il aura ensuite montré beaucoup d'humilité. J'essaye de ne pas trop penser aux comparaisons, d'être toujours moi-même. Comme je le dis à mes amis, pour moi le plus important c'est de marquer le foot de mon empreinte, de réaliser une belle carrière. Après je me dis que si on me compare aux meilleurs joueurs de l'histoire, c'est que je fais les choses correctement. Ça me dérange pas mais je me concentre sur moi. La comparaison avec Messi doit rester aux observateurs. Pareil concernant Mbappé. Je me souviens de ces classicos dont tout le monde parlait, c'était fou. Plus il y a de grands joueurs, à Madrid comme au Barça, mieux c'est pour la Liga. Mais non, je pense pas que ce soit l'ère Mbappé-Lamine maintenant. Ce sera l'ère Barça-Madrid, comme ça l'a toujours été. Et nous allons mettre tout en œuvre pour gagner les classicos qui se présenteront, afin de remporter des titres. Sans oublier l'incroyable anecdote sur les années de découverte du ballon rond. Je me souviens que lorsque j'allais à l'école, j'emportais mon ballon dans un sac. Juste avant d'entrer en cours, je le cachais dans mon sac à dos, car le prof ne voulait pas que je le pose sur la table. À la maison, j'aimais jouer au foot avec mes chiens. Mon père disait que je n'avais rien à craindre. Dribbler un chien est la chose la plus difficile à faire. C'était comme un entraînement. Moralité, jouez avec vos chiens pour devenir le prochain Yamal. Absolument tout le monde savait à quoi s'en tenir, mais c'est désormais officiel. Vincent Labrune s'est fait réélire par 85% de voix favorables à la tête de la Ligue de football professionnel. Cyril Linette ne pouvait malheureusement que s'asseoir devant un score aussi large. D'un autre côté, quelques rares présidents ont osé remettre en cause l'élection, à l'image du président Avré pour qui c'est une mascarade, ou encore John Textor qui a tout vu sauf de la démocratie et parle carrément d'une version sportive du Venezuela. Le président de la LFP tenait justement à répondre aux critiques. Si je ne les entends pas, je dois changer de planète. Je vous l'ai dit, on a fait de bonnes choses et on a fait des erreurs. On a un appel d'offres domestique qui est très décevant. On doit se nourrir de nos échecs. Notre stratégie a été validée par tous, mais on s'est heurté à un principe. C'est compliqué dans un pays comme la France de pouvoir envisager quelque chose de positif sans avoir une relation apaisée avec votre employeur. On entend les critiques, on s'en nourrit, c'est la courbe d'expérience. Il faisait ensuite promesse sur promesse quant au nouveau mandat de 4 ans. Depuis 4 ans, nous avons lancé un plan de réforme très structurel et très ambitieux face aux crises majeures que nous traversons et face aux défis que nous devons affronter en tant qu'entreprise de spectacle. On est dans un monde en mutation forte et profonde. On va passer tout de suite, dès demain, à la phase 2 de ce projet. Il faut qu'on accélère notre transformation et qu'on se réinvente. Se réinventer déjà à travers notre fonctionnement et renforcer notre gouvernance. Le poids des clubs, des collèges pour qu'il y ait plus de liens, de dialogue avec un objectif commun. Celui qui doit donner l'exemple, c'est le président de la LFP qui lui aussi devra faire des gestes importants en termes de révision à la baisse de sa rémunération. Autre chantier primaire à résoudre, le piratage. Nous travaillons à créer de la valeur ensemble avec DAZN. Nous allons s'attaquer au fléau du piratage sans peur sur tous les terrains, médiatiques, politique et juridique. Le piratage, c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment un IPTV marche. Le piratage, c'est la priorité absolue à très court terme. Coïncidence, DAZN vient de revoir ses prix à la baisse. Face à la colère populaire, la montée de l'IPTV et le faible taux d'abonnement, le groupe anglais s'est contraint à passer l'offre mensuelle de 40 à 20 euros pour les deux premiers mois et l'offre annuelle à 20 euros sur 12 mois. Bonne initiative, même si toujours cher. Au passage, d'une autre part, France TV a annoncé le lancement d'une nouvelle émission sur les Ligue 1 du lundi au vendredi à 19h50. Cette fois, totalement gratuit pour, j'imagine, tous les résumés de matchs. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le file du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.